Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Carnage, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui 17h37, dimanche 6 octobre, on va redécouvrir ou découvrir pour certaines personnes Dead Space. Et oui, Dead Space qui est une tuerie de ma jeunesse et auquel il y a eu un remake l'année dernière. Et il est gratuit dans les jeux du mois. Du coup, on va partir dessus. Soyez les bienvenus en tout cas. On finit la mise en place des petites options sur l'ordinateur. Ça devrait le faire. Et voilà, allez, c'est parti. Bon, alors. On va rester comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux comme ça. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle, Nicole? Ouais. Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir, à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amon et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites, continuez. Voilà, sans encombre. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais.
Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniels et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Hé, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Nomadique attache. Merde! On est en trajectoire! Daniel! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la côte! Yes! Les stabilisateurs d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! Campagne! Laissez tomber les boucliers! On s'accroche! Ça va. Je vais survivre. Hey, Johnston, ça va? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée, le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyon. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Bon. Bah écoutez, c'est parti. Hein. Top comme début pour une mission de réparation. Les armes d'assaut? Procédure standard, Daniels. Nous les enregistrerons à la salle d'embarquement. À la PS3, il est vraiment beaucoup plus beau. Hein. Ils sont où tous? La moitié du vaisseau a dû entendre l'atterrissage. Bravo, Chen. Vous nous avez amenés ici en un seul morceau. C'est pas ce que doit penser Johnston. Mais si tu proposes de payer la première tournée... Je serais pas contre un petit remontant. Surtout si c'est la CEC qui paie. Vous avez vu quelqu'un à la salle de contrôle? Non, personne. Moi, on n'a pas arraché le panneau. Autant se connecter. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication?
était pressé de partir. Où est l'équipe de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Oh, l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Vous sentez ça, vous aussi? Sentez quoi? Comme si un truc est mort dans les conduits. Il y a quelque chose par terre. Est-ce que c'est... Isaac, je veux ce rapport de dégâts. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié de l'Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais. Ouais, je l'entends. Hammond! Tout le monde se calme. Daniels, réactivez ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Là-haut! Oh mon Dieu! Oh, il y a un fou. Ah, sans homme, on peut rien faire, non? Bon, bah, on est repas, hein. Première arme. Bon, elle était comme ça.
fait peur, ta bouche. Il m'a fait peur, cet abruti. Je vais revenir ici. Non. Il y a toujours des bugs par rapport au premier jeu, hein. Enfin, ouais. Il est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort, cet enfoiré. Smith a dû lui décommer les bras et les jambes. Portez-vous, envoyez de l'aide. Les bras et les jambes, les gars. Des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac ? Oui ? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça ? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Circuit du réseau du tram. On va déjà sauvegarder. Ça sera déjà une bonne idée. Voilà. Allez.
les sortir ou non. Il n'y a plus rien. Et salut Amelia. Comment ça va Amelia? On a des trucs qui nous sautent à la gueule là. Au début du jeu, on n'a pas beaucoup de munitions. Ça nous saute à la gueule. Ça nous saute à la gueule les grosses bestioles. On va sauvegarder là. Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça les ralentit même pas. Oh. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Ça les tue ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Oh putain! Il y en a un troisième. Approche-toi. Oh, je vais cramer la gueule. Hop là. Il y en a un autre. Où est-ce qu'ils sont? J'entends les cris. T'as le bestiole. T'es là, Mia? Ça va? On m'entend? Ah, ok. Donc, s'il y avait encore un bug. Pétain. Ouais, je vide mon chargeur dessus moi. Dis-moi que je les améliore là, que je puisse les trancher direct. Faire des solutions avec eux. Surtout pour vous réutiliser la vie. C'est l'ascenseur qu'on va prendre. Il me reste combien de balles? 67, ça va.
tellement de son dans le casque. Tu sais pas quand il peut apparaître. Pas de bruit chelou. Bruit chelou. Oula, 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 y'a plus de lumière, y'a plus de lumière. Vraiment, y'a plus de lumière. Putain! J'avais fait beaucoup d'effets de jeu déjà à l'époque. Là il en fait toujours autant. Que je remonte. Oh, quand je vais avoir les nouvelles armes, comment ça kiffant. Le point. La disqueuse aussi. Vas-y, j'ai fait quoi? Il a paru derrière le bâtard. Il a paru derrière le bâtard. Je fasse attention dans les murs. De soins.
avions compris. Isaac, on peut pas rester ici plus longtemps. Ça grouille de partout. J'y suis presque. J'ai trouvé un disque dur. Je dois juste déplacer le tram. Ok, Daniel, surveillez cette porte. Oui. Qu'est-ce que je vais améliorer ? Augmenter l'armure. Hein. Bon, au début, ça peut être pas mal. Ça se passe bien ça, mon jeu. Bon, on va améliorer l'armure. Il y en a un autre où je sais pas. Il y en a un autre, putain, merde. Oh putain! Cours. T'as vu? Et de base, c'est un jeu PS3. Hein. Il a été remasterisé de ouf. Hein. Ça marche, la manière. On sauvegarde la game et on va taper du bestiaux. Voilà, on part. Il va pas là. Quelque chose de bougé là. Il
Module de ça, ça permet de ralentir les bestioles ou autre truc pour pouvoir mieux les défoncer. Et bien entendu, on est en difficulté moyenne, ni trop fort ni trop facile. Quelle est la lumière? Qui n'a pas payé sa facture d'électricité? Ça y est, quelque chose. Putain de ta mère. Notre kit de soins. Donc c'est bon, j'ai un niveau soin. On vient fait clair. Munition. Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase? Il nous en faut un à la maintenance du tram, rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Ici Temple, j'envoie un module de stase. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... J'arrive pas à t'entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il devrait y avoir personne. Tu vois le genre? Je vois. Bon, il y a un truc à faire avec les pinces. Ça, c'est verrouillé. Comment je vais faire moi? Système de réparation en ligne. Système de chargement réinitialisé. Anomalie du chargeur automatique. Veuillez contacter un technicien. Ta manette elle est là, là, elle est là. Dans le tiroir, dans le tiroir. Non, non, non. En dessous.
connecté. Erreur. Pince droite déconnectée. Pourquoi ? T'as réussi à déplacer ce tram ? Le chargeur automatique est grillé. Mais la stase devrait faire l'affaire. Il suffit de la synchroniser. Super. Mais elle est bloquée. Le son porte en bas. Remplacement du tram endommagé en cours. Non, les canards, prends la grille, ceinture orange. Orange. Ceinture orange. Ça, tu prends. C'est des monstres avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce que tu dis. C'est bon. Je comprends pas. Je retourne dans la salle des commandes. Comme ça, Mondi. C'est-à-dire quoi, Mondi? C'est-à-dire quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je devrais pouvoir t'envoyer un tram pour la passerelle. Super. Mais fais vite. N'arrête pas d'entendre du bruit sous nos pieds. Là, on a plein d'affaires ici. Heureusement que t'as pas le son avec ta main. Non. Il a ouvert la porte là. Ouais. On va re-sauvegarder. On venait de là, ok. Non, tu mets pas ça autour du cou, Aitana, s'il te plaît. Je veux pas de ça. Ok. Je se repose. Je reviens.
Non, touche pas ça. Alors. Oui, ta manette. Allez. Pardon, merci pour l'attente, on revient. Quand je finis de fermer les yeux, tu fermes les yeux, d'accord? Ferme les yeux. C'est bien. Mais la tétine, non. La tétine, tu vas la mettre sur la table, s'il te plaît. Donc voilà, on continue, on revient là. Aitana, s'il te plaît. Si c'est pour être comme ça, tu vas retourner voir maman, hein. Non, bah alors tu arrêtes. Tu veux voir maman? Bah va voir maman. Avec la manette? Bah prends-la si tu veux. Allez, à tout à l'heure. Aïe, il va bien. Bonjour tout le monde. Et salut MK, comment ça va? Ah mais oui, c'est la cible. J'ai plus de points de vie. C'est bon. Qui es-tu, mon petit UMK? Qui es-tu? Dis-moi. J'ai vu que tu étais sur mon live hier sur DDD. Sois le bienvenu sur la chaîne. Ah, mais si, UMK, c'est toi, Mickaël, pardon. Mickaël, on est d'accord? Mais attends, pourquoi j'avais... Oui, c'est bon, attends. C'est vrai, je viens de m'en rappeler. Ah, comme tu peux voir, hein, on est sur un classique du genre. Hein. On va regarder. Dispèce, est-ce que tu connais? Classique de la PS3 qui était rematurisé sur la PS5. On dirait vraiment un jeu de PS5. Maintenance effectuée. Appel du tram en cours. C'est bon. Il y a des bestioles vraiment pas belles, hein. Imminent, pont de lancement, salle des commandes. Ce qui me reste, 87 balles. J'ai encore des petits kits de soins, donc c'est good. On y est. Quelque chose a touché le toit, mais tout semble opérationnel. Le système de confinement est désactivé. Tu peux aller au hangar. Les communications sont toujours pas rétablies. Tiens-toi prêt à tout. Quel est le plan? Vous et Johnston, vous réparez le Kellion. Nous, on se rend sur le pont. Protocole d'urgence standard. Quoi? Quel protocole? Amont, des gens sont en train de mourir. Je perdrai pas une personne de plus. Si on s'en tient à la procédure, on y arrivera. On verra. Elle était gratuite sur le PS Store ce mois-ci. Elle a été rematurisée l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Mais non, franchement, c'est une tuerie. Hein. Les 3 Dead Space sont des bons jeux. Hein. Moi, j'ai déjà joué sur PS3. J'avais fini sur PS3, là c'est un plaisir d'y rejouer sur PS5. Merde, les gens ne passent pour rien. Eh, derrière. Thank you.
Il y a un truc que tu vas me cramer sur la gueule. Ouais, j'ai fini le premier, il est vraiment pas mal. Ah bah oui, c'est dur, hein. J'ai eu ton dernier live, ça remonte à... Bestiole. J'ai vu une bestiole. On va avancer doucement. Fais des fenêtres là, aucune fenêtre. Aucune fenêtre, tu vois qu'elle peut sortir. De la fin du premier, il était vraiment pas mal. Enfin, là... Aitana, tu m'as fait peur. Reste avec maman, mon cœur. C'est pas un jeu pour toi, ça. Aitana, enlève la tétine pour parler. C'est pas un jeu pour toi, ça, mon cœur. Oui, je sais, je suis ton père, mais c'est pas un jeu pour toi. Tu veux pas aller faire du dessin? Non. Tu veux pas aller regarder tes livres? Non plus. Zack, on est sur la passerelle. C'est... Non, non, Aitana, touche pas là tes commandes de mon siège, s'il te plaît. D'accéder à l'ordinateur de commande. Tu touches pas! Aitana! Lâche ça, tout de suite. Stop! Non! Si, Aitana. Et tu veux que je me fâche? Sinon, Michael, t'as trouvé comment Ça a l'air sympa, c'est comme ça. Exactement, c'est... Bon, rien à voir avec Alien, mais... C'est dans le même délire. C'est quoi ça? Ça, c'est un jeu, Aitana, c'est Dead Space. C'est un jeu avec des grands monstres. Et moi, je mets des fessées aux monstres. Parce que les monstres, ils sont... Tu sais, tu veux mettre des fessées aux monstres? Ok. Maman aussi, elle met des fessées aux monstres? J'ai compris. J'aimerais bien trouver une nouvelle arme quand même, parce que le petit cutter plasma là, c'est bien drôle, mais... J'ai hâte de trouver le fusil à pompe et tout ce qui va avec. Hein. C'est quoi ça? Du sang? Hayley, tu dois m'écouter. Les Shimura est envahi par... Putain de monstre! T'as rien entendu? Quoi? Non, les communications sont toujours coupées. Isaac! Il faut réparer le Kalion maintenant. T'as le rapport des dégâts? Oui, le voilà. Non, c'est que papa. J'aurais dû être avec toi. Mmh.
Ça, c'est un journal. Et c'est quoi ça? Un journal de bord. Ici, c'est en commande. Du coup, Michael, parce que ça commande Dead by Daylight hier. Pourquoi? Ah, Itana, s'il te plaît. C'est quoi ça? Merde! Le réacteur! Allez! Bon, là on va affronter. Seule chance de repartir en LG. Non. Je refuse de perdre deux personnes pour rien. Et l'ordinateur de commandement? Il est inexploitable. Tous les systèmes centraux sont verrouillés par les codes du capitaine. Alors trouvons le capitaine Matthews. Ah, Itana, si tu casses la manège, je me fais chier. Hein. Tu fais attention. Je te l'ai prêté, je sais pas pour que tu la casses. Capitaine, d'accord, Benjamin Itana Matthews, localisation, pôle médical. Oui, bah voir maman. Statut décédé. Le capitaine aussi? En bon, à tout à l'heure. Hein? Isaac, vous êtes plus près du pôle médical. Faites demi-tour et coupez par la maintenance. Trouvez le corps du capitaine et récupérez son rig avec ses codes au poing. Qu'est-ce que c'était? Jen. Putain, maman, là aussi, ils ont trouvé des bestioles. Là, on va se regarder. Voilà, ça regarde. Bon, est-ce que je vois la stase, elle revient pas au bout d'un temps, il faut recharger. Ok. Ah, ça marche. Ah ouais, non, le gamin, il m'avait saoulé, Michael. Tu te vois bien. Il est moins de 14 ans, ça joue, j'ai pas comme ça, mais la blague. Puis le pire, c'est que le deuxième toxique là qu'on a eu, c'était un pote à lui. Et dans ses amis, ils sont amis et tout. C'est allé loin dans les messages. Hein. Enfin bref. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Ouais. Mmh.
Allez, on améliore la tenue. Avec plus de stockage, qui est très très important dans ce jeu. Parce que quand j'étais... C'est problématique. Mais maintenant, c'est différent. Tant que je vais le jeu. Tout ce qui est inventaire et tout. C'est pas mal. De toute façon, le jeu on fera en deux fois. Le premier en mode comme ça, et quand on aura tout débloqué, on recommencera. Dans une difficulté un peu plus hard. Juste pour le challenge. L'arme cette fois-ci. On sauvegarde. Bien entendu, hein. Très important à sauvegarder. Avancer doucement hein, parce qu'ils peuvent sortir n'importe quand. Salopio. C'est trop calme là. Je commence à prendre un risque. Il y a un trophée, hein. Et une gilet module de télékinésie, ça y est. Enfin. Toi hein, chippy, enlève la tétine pour parler, je t'ai déjà dit. Ça, l'arme d'assaut. Voilà, on va le mettre sur le côté gauche. Hein. À tout à l'heure. Elle, on l'achève. Ah.
Ah ouais, il y a des mines de proximité aussi, c'est vrai. Ils ont barré l'accès à la morgue. La morgue ? Oui. Mais la barricade a été faite à la va-vite. Un réservoir d'hydrazine pourrait l'exploser. Il faudrait un détonateur, peut-être un défibrillateur. Nicole est peut-être de l'autre côté. Isaac, celui qui nous a attaqué. Je suis certain que c'était Etienne. Mais je l'ai vu mourir. Si la morgue a été barricadée, c'était peut-être pour y garder quelque chose. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. C'est vrai qu'il y a le déblocage, je pense que je vais venir aussi. Ça va être pas mal. Bon, on est là. Non, Aitana, tu fais quoi? Tu touches pas aux cartes, hein. Les cartes qu'il y a sur le bureau, tu touches pas. Attends. Je vais les ranger. Je vais ranger les cartes. D'accord. Mais là, ça, tu touches pas. Ça, tu touches pas. Mon truc, je veux pas. Ça bouge pas sur le corps. Merci papa. De rien. Tu touches à rien d'autre, d'accord? Non. Oh. Aïe. Allez, c'est parti. Aitana, fais attention au tapis, s'il te plaît. Merci. C'est bon. Et bonjour les streamers, j'espère que tout le monde va bien. On est actuellement sur Dead Space. Dead Space Remake sur PS5. Oh!
Comment je peux... Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Comment va-t-on à... Du coup, il est mort ? Ah oui, il est mort. Du coup, on rentre dans l'habilitation de niveau 2. Tac, tac, tac. Niveau de la stase, zone de la stase, énergie de la stase, non. Niveau de la stase, c'est pas intéressant. Hein? Oh. Comment? Il est où ton ballon? Il est pas là ton ballon, Aitana. Non, il est pas là ton ballon. Il va falloir l'habilitation de niveau 2 pour ouvrir les coffres. Souffler pour ressortir. Si je me tire, on va aller mettre quoi qui doit être mis. Il faut que je trouve juste où est-ce qu'il est. Voilà. Voilà, ça va m'atteler au cas. Voilà. Oh. Voilà. Oh. Il est là. Comment est-ce que je dois le mettre, le disjoncteur? Papa. Pardon. Ah, mais oui, le disjoncteur, je dois le mettre là. Ok, c'est bon. Là, disjoncteur ici. Voilà. Voilà. Non, ça c'est déjà fait. De stase, je t'ai bien marché dessus. Un Kikinesi qui sert ici. Là, ok. Ah, là-bas il y a une bestiole. Voilà. La bestiole elle est plus là. Voilà. Je t'ai mal. On t'a tapé dessus. Et voilà. Oui, Aitana. Oui, je sais, je suis ton papa. Oui. Ça va? Tout va bien. On continue à avancer.
zone d'aveugle. Oh oui, la gravité avec l'oxygène, il va falloir que j'augmente ça. C'est pas... Entrez dans une zone de vide. Ah oui. Entrez en zéro gravité. Au revoir, maman. Entrez en zéro gravité. C'est vrai qu'il y avait ce problème d'oxygène, j'avais complètement oublié. Allez. Allez. D'une zone de vide. Voilà, on est sorti de la zone de vide, on récupère l'oxygène, c'est ça bien. Bon. Est-ce qu'il y a des aliens dans le coin? Ça fait du bruit. Et on apprend à voler et on vole. Bah écoutez, on va voir là. Et on atterrit. Sorti d'une zone en zéro gravité. Allez, on va récupérer des tenues là. Voilà, des crédits, des munitions, tout ce qui va avec. Voilà. Les crédits. J'ai trouvé le robot d'hydravine. Qu'est-ce qui se passe? Aucun signe d'elle pour le moment. Mais j'ai trouvé d'hydravine. Ça devrait marcher sur la barricade. Je dois trouver un défibrillateur. Ok, faites vite, Isaac. Mais fais attention, tu tombes pas dans les chaises, toi. Hein, Itana? Oui, non, 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 je veux pas que tu tombes. Hein. Donc tu fais attention. Hein. Entrez en zéro gravité. Oh, défibrillateur maintenant. Oh bestiole. Ah là, la bestiole elle est plus là, hein. Aucune bestiole ne sera. Toutes les bestioles, elles y passeront. Je trouve un serveur de phase. C'est quoi ce bordel? Ça a secoué tout le vaisseau. Je vais voir. On est en zone grave. Entrez dans une zone de vide. Comment je vais faire? Ah ouais, ok. Je peux pas mourir moi. On va repartir là, on va récupérer de l'air, hein, et après on repartira. Hein. Voilà. Allez, avance.
Ah, il y a dans le fer. Munition, impulsion. Aitana, touche pas. Oh. Ah, les scorpions, ils sont vraiment quelque chose, hein. Fabriquer un pistolet d'impulsion. C'est pas trop macabre le pistolet d'impulsion, mais bon. Quand on pourra le fabriquer, on le fabriquera. Hein. Du soin, je récupère. Très important le soin. Et voilà, on passe. Non, Itana, si maman t'a disputé, c'est pour une raison. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire en dessous, Aitana? Ok. Qu'est-ce que tu touches? Mais il n'y a pas de bonbons, sympa. Ça c'est une poubelle, Aitana. Et c'est pas l'heure pour manger des bonbons. Là-bas, ok.
Allez, on a le labo principal. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Allez hop là. Moi je t'en parle moi. Qu'est-ce qui est cassé? Moi je t'en parle au mur comme ça moi. Je fais des brochettes de monstres. On fait des brochettes de monstres. T'as dit merci à maman? On est tous occupés les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il y a, Itana? Qu'est-ce qui est pas bon? Petite bestiole.
pas aimer ces bestioles. Je vais pas les aimer celles-là. Allez, montre-toi. Allez. Toi, je t'aime pas. Saloperie de bestiole. Eh mon dieu, c'est quoi ça? Oh, il y a plein de bébés. Oui, c'était bonbon, Ethan. Allez, on monte s'il va y avoir une bestiole ici. Avoir besoin de munitions en plus. Elle va fermer les portes. Daniel ne répond pas au lien. Vous en êtes où? J'ai trouvé un défibrillateur à utiliser sur la barricade. J'y retourne maintenant. Mm-hmm. Attention à la tension sur cet appareil. Je veux perdre personne d'autre. Allez, on a trouvé le défibrillateur. Non, on est pas là maintenant. Maman, elle est partie faire de l'essence. Elle est partie faire de l'essence. Bon, on a été surpris. Est-ce que là, on va se faire surprendre aussi? Allez, on va placer la bombe. Une bombe, ça va faire boum. Bim bam boum, ça fait boum. Okay.
ventilation bien. La bombe bien. Allez. Non merci. J'ai trouvé de quoi améliorer mon cutter. C'est très bien. Aitana, tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît. Aitana, tu descends là tout de suite. Va mettre à la poubelle. Il y en a encore dedans ?
Oui. Comment? Oui. Attends, j'ai plus de soins là. J'ai plus de soins. Tu vas où? Demande de sécurité retrouvée. Oui. Dans le noir et je les entendais gratter comment les murs, comme des rats. Non. Et vous m'avez enfermé avec eux. Non. Non, Aitana, t'en as eu assez. Je vais les taillader. Non, Aitana. Oui, je t'ai entendu. Mercer, c'est Red Sky. Vous étiez au bloc, alors j'ai vécu mon but. C'est correct. Je viens de recevoir le dernier rapport au DG7. Aitana, arrête avec la chaise. Le capitaine Matthews. 40% de la population de la colonie affiche des symptômes à présent. Dépression, hallucination, excès de violence. Des gens meurent là-bas. Je suis convaincu que c'est lié au monolithe, mais je n'ai pas assez de données. Mercer. J'ai peut-être eu tort. Il nous faut à tout prix des réponses. Ce patient, Brontaris, est peut-être notre dernier espoir. Bah si tu veux t'asseoir, tu vas chercher la chaise. Ouais, tu t'assois par terre si tu veux. On a trouvé Nicole. Elle est en train de discuter. Ok, c'est pour faire ça. Aitana, arrête un peu s'il te plaît. Yeah.
c'est mort. Ah, c'est bestiole. Oh. Elle est où la tétine? Ah oui, elle est là. Aussi j'en ai qu'un. On arrive à la morgue. Non, t'as pas. Monte tes mains. T'as pas besoin qu'on les lave. Et tout à l'heure, j'irai prendre ta douche. Tout à l'heure, on va aller à la douche tout à l'heure. Oui, pas maintenant, mais tout à l'heure. Non, 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 tu monteras pas. Non. Aitana, je vais me fâcher. J'ai pas envie de me fâcher, Aitana. Écoute un peu. On rentre dans la salle. Le commandant est là. Regarde pas, Aitana. Ferme les yeux. Tends-toi. Tends-toi. Regarde pas. Je te dirai quand ça va. Regarde ça, je te dis. Il y en a trop d'un coup là. Bah oui. Oh punaise, j'aurais pas ce mode sans mort. Tant pis.
Allez, t'as tout ce qui... Mets ça à la poubelle, c'était dedans déjà. Oh. Regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. Allez, Tana. Chose à Chen. Merde! Peut-être que l'ordinateur de commandement contient quelque chose. Ah, où est Agnès quand on a besoin d'elle? Retournez au poste de sécurité, c'est plus sûr là-bas. Au moins, je pourrais augmenter votre habilitation. Habilitation confirmée. Qu'est-ce que tu fais? Je vais passer autour de toi, Ethan. Isaac? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? L'ordinateur affirme que les moteurs de l'Ishimura sont HS. Nous sommes en orbite descendante vers Aegis 7. Oh putain, je dois atteindre la zone d'ingénierie. On n'a pas le temps, cette station de tram est hors ligne. À moins que... Là, retournez au pont de lancement, je vous guiderai de là-bas. Si ce rapport de dégâts est exact, il y a un raccourci pour l'ingénierie. Reste ici, Aitana. Comment? Non, non, tu restes ici. Je suis revenu ici, je voulais pas revenir là, moi. Attention, où est-ce que tu marches? Fais attention à la manette, je veux pas que tu la casses. Ok? Tu joues pas avec, tu la ranges, s'il te plaît. Partout, c'est très bien. Habitation de niveau 2. Mais je parle pas là-dedans, ça, Ethan. Habitation de sécurité de niveau 2 requise. Je peux. Habitation de sécurité de niveau 2 requise. Mais je peux pas parler avec ça, Ethan. Mais c'est pas un... Avec Tana, c'est pas un micro. Yeah.
Oui. Arrête de crier, s'il te plaît, je t'entends, mon cœur. Oh, désolé, les gars, ma fille, elle a beaucoup de voix, hein, comme vous pouvez entendre. J'ai passé une manette de PlayStation 1, elle utilise des bouts pour brancher. Comment un micro. On va re-sauvegarder. Le dommage indique qu'un monte-charge endommagé se trouve derrière les portes du hangar. Je vais les ouvrir. Entrée en zéro gravité. Il faudra utiliser vos propulseurs pour l'atteindre, mais le conduit devrait vous emmener directement à l'ingénierie. Aitana, mets pas ça dans la bouche.
Et on va... Aitana! Oh. Hey, tu pètes la forme toi ce soir ma fille. Tu veux pas aller? Ah bah non. Oui, je sais, je suis ton papa, toi qui es ma fille. C'est mon maman. Non. Mon maman. Non, on dit ma maman. Ma maman. Ma maman. Non. Maman est partie faire de l'essence. Non. Maman va revenir. Ici, maman. Ici, elle est là, maman. Elle est maman. Elle est papa, maman. Papa. Oui. Ça, c'est maman, papa, maman. D'accord. Entrer dans une zone de vide. D'une zone en zéro gravité. Oh, sortie d'une zone de vide. Qu'est-ce que tu te... Je... Aitana, donne. Donne. Pourquoi tu te sens tout? Oh. Il y a des choses qu'il faut pas que tu touches, Aitana. Je vais me fâcher. Tu touches pas à ça. Oh. Bon. Où est-ce qu'on en était?
pas cassé ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, tout à l'heure la douche. Oula, c'est tout noir. Je suis venu ici. De contrôle. Des nouvelles des moteurs? Oui, mais ça n'a aucun sens. Ils n'ont plus de carburant. La centrifugeuse est hors service. On est attaché à un chargement de 4 millions de tonnes. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul? Ouais. Réparer la centrifugeuse, remettre du carburant et redémarrer tout ça. Mais vous devrez stabiliser notre orbite à partir de là. Je me tiens prêt. Faites vite, Isaac. Journal d'ingénierie, ingénieur en chef Jacob Temple au rapport. Jésus, j'arrive toujours pas à croire que le chef est mort. La situation a dégénéré depuis la mort du capitaine. Ils sont tous sur les nerfs ici. On pensait que la révolte était grave jusqu'à ce que ces choses sortaient contre lui. Leur image. Ces gens, c'était des potes de Lise, c'était des ex. Et maintenant les moteurs ont pété, le principal est en panne et on perd un max de carburant. J'y comprends rien. J'emmène Denver au dépôt de carburant pour réparer ça. Le découpeur. Il faut cadrer les jeeps ou ils vont craquer. Temple terminé. J'ai trouvé mon joujou. J'ai trouvé mon joujou. Mais non! Aïe, t'en as, arrête! Oui. Ah, qu'est-ce que c'est, je vous ce que j'ai pu faire. Mode tronçonneuse. Bon. Impossible de déterminer le niveau d'habilitation. Passe-partout intégral requis. Pourquoi?
Bon, Aitana, arrête un peu. Hein? Demande de sécurité retrouvée. On a besoin d'aide ici à l'ingénierie. Faites peur. Il est mort. Non, il est vivant. Mais il a cogné cet évier vraiment fort. Non. Il se passe quoi, bordel? Aucune idée. On annule la demande de sécurité. Anderson a besoin de Toubib. Stop. Allez, Tana. S'il te plaît. Allez là-bas. Bon, les gars, nous avons trouvé un point de sauvegarde, on va sauvegarder et puis on reprendra le jeu une autre fois. Peut-être demain soir, si on n'est pas trop fatigué. Aitana, tu vas la douche s'il te plaît. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve bientôt. La douche.